reste de notre autorité, l'autorité du peuple, on nous autorise à penser qu'il s'agit là d'un poids dont on pourrait nous soulager. Ces ministres belles gueules dans leurs costumes impeccables, sortis des plus belles écoles hautement respectables où ils ont appris, hélas, avec beaucoup d'applications, la psychologie de masse et la manipulation. Je suis sûr qu'en bureau, tout de rouge, de dorure, avec des sourires en coin, ils appliquent à nos futurs leur théorème du pire encore. Pire encore. Et ils jouent avec des chiffres d'ordre comme des hypoténuses, tant qu'on se tient à l'angle droit, ils continuent et ils abusent, font passer les lois et nous mettent sur le fait. Vu qu'on ne réagit pas, ça passe comme il est. De temps en temps, ils nous proposent un référendum bidon, auquel ils savent pertinemment que nous allons répondre non, de l'hypocrisie en surface. Ou une démocratie qui lentement s'efface, moi qui croyais pourtant que c'est le peuple de France qui détenait le pouvoir, peut-être de la romance. Peut-être de l'histoire où ils sont roulés, où ils ont donné leur vie pour notre liberté, pour ces quelques acquis. Et je pisse sur Matignon, je dis merde à l'Elysée, ce nid d'un riviste à la con dans longues aiguisées. La crème des crèmes, mais la crème a tourné. Plus rien ne marche dans ce système, il faudrait tout recommencer. La droite se sert de la violence et du racisme comme tremplin, pendant que la gauche espère qu'on oublie qu'elle ne nous propose rien. Des décennies qui ont basculé de la l'autre en espérant, mais au final on nous encule avec plus ou moins lubrifiant. Moi qui croyais pourtant